au revoir le port de Mulhouse. Et à nous, Strasbourg. Quand je vois cette immense étendue devant moi, sans une ride, j'ai envie de prendre mon pinceau et de faire comme vous, André et Daniel, de peindre. Ça me donne envie de peindre ces paysages que j'ai traversés. Dernière écluse avant le Rhin, l'écluse de Niffer. Et là, on descend de plus de 5 mètres. Ça y est, l'éclusage a commencé. Quelle belle écluse! Ça, c'est de l'écluse! Immense! On peut en mettre au moins deux à couple comme moi, sinon trois. Ben voilà ce que je vais voir maintenant. Ah, una velocidad, es impresionante, impresionante. On fait vraiment tout petit, misérable à côté de ces monstres qui nous passent à une vitesse. Je marche à 14 km/h là. Mais il marche au moins à 20 km/h ce gars. C'est incroyable. C'est des obus. C'est fou. J'avais pas vu qu'il y avait une autre écluse juste à côté. C'est impressionnant, hein. Très impressionnant. Ils se mettent à couple, c'est ce que je pensais. Donc je vais me mettre derrière le premier arrivé. Comme ça, j'aurai fini de m'installer quand l'autre aura fini aussi. On pourra commencer l'écluse à elle. Bonjour à tous. Je suis dans la première grande écluse de ce voyage. Comme vous pouvez le voir, le Tintoret est bien accompagné. Regardez. Voilà ce qu'on a devant nous. Il faut être attentif à ce qu'on fait, j'imagine, parce que voilà, c'est plus de la rigolade ici.